Chérie, reste pas la paix. La Pôle Chic ? C'est pas un prénom, ça. Non. Mort de rire. Belle brochette. Ciné. Manger, les enfants. La métropole est située dans la zone tempérée. Son climat est doux et humide, avec parfois de grands froids et des canicules et des sécheresses. La terre à Delhi se trouve dans la zone froide, au sud, où il gèle toute l'année. Oui, entrez. Bonjour, Madame Vernier. Bonjour, les enfants. Bonjour. Je vous présente Apolline Petrosian. Elle vient d'emménager dans le quartier, alors faites-lui bon accueil. Tout ça, je compte sur vous tous et surtout sur les deux délégués. D'accord ? Il peut s'asseoir. Oui, va prendre ta place, je t'en prie. Au revoir. Travaillez bien, surtout. Au revoir. Alors, on reprend. La Guyane est localisée dans la zone équatoriale, chaude et humide toute l'année. Les Antilles et les îles océaniennes se trouve en zone tropicale, chaude, avec une saison sèche et une saison des pluies. Tu lis quoi ? PSO J3-18,16-22. Quoi ? Article, j'ai rien compris. Ça intéresse personne, de toute façon. Bah, explique quand même. C'est une exoplanète gazeuse située à 80 années-lumière de la Terre. Les astronomes l'ont découverte avec Pan-STARRS 1 sur le mont Aelika, à Maui. C'est un télescope. C'est quoi une exoplanète ? C'est une planète solitaire qui flotte seule dans l'univers. Un peu comme toi. T'as fait le devoir de géo ? Non, j'ai pas d'idée. Et toi ? Oh, pour moi, c'est facile, hein. Mon père, il est né à Paris, mais il est d'origine arménienne. Et ma mère, elle vient de Prague, donc j'ai de quoi raconter.
T'as de la chance. Bon, ma mère, elle est née ici. Y a rien d'intéressant. Je sais pas quoi dire. Bah, t'as qu'à dire un truc sur ton père. Il vient d'une île, non? C'est Adam qui nous a vendu la maison qui l'a dit. On est juste à côté de la tienne. Toi, c'est Lionel, c'est ça? Ouais, c'est Crénios comme prénom. Moi, je préfère Lio. Moi aussi. C'est Madame Laplâtre qui t'a parlé de mon père? Ouais, elle a blablaté sur tous les voisins à mes parents. Pour ton père, elle a dit c'est l'homme de l'île Sandwich. Drôle de nom pour une île. C'est pas vrai? Je fais une gaffe? Non, non. Si, mon père, il vient d'une île, mais c'est juste que... Je savais pas que quelqu'un était au courant. Maman arrive, elle nous attend fort. Là, j'arrive. Bon, bah, il y a ma mère qui m'attend. Bon, bah, ça y est. C'est une dunée? Non, non, c'est rien, t'inquiète. C'est chelou ton truc. Sandwich, archipel britannique dépendance des Falklands, découvert par James Cook, au sud de l'océan Austral, une île inhabitée. Inhabitée? Trop long. Trop long. L'Amérique du Sud et l'Antarctique. Dormir avec ton masque de femme. Maman? Maman? Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? J'ai fait un cauchemar. Tu faisais quoi?
Je nageais pour atteindre une île. Elle est tard maintenant. Il est tard. 5 heures du matin. Maman? Comment, maman? Pourquoi il n'y a pas de photo de mon papa dans l'album? Pourquoi il vient jamais? Parce qu'il est loin. Et puis c'est une histoire d'adulte. On en parlera plus tard. Allez, dors maintenant, il y a école demain. Pourquoi tu parles jamais de lui? Bon, dis-le, arrête, s'il te plaît. Hein? Papa, c'est Lio, notre voisin, et on est dans la même classe. Viens, Lio. Tu as soif, tu as faim? Non, merci. Prends ça. Allez, prends! C'est un sandwich poulet avec sauce spéciale. C'est très bon. Mais j'ai pas d'argent. Mais c'est pas grave, c'est offert par la maison. Donne-lui à ton copain, c'est un timide. Tadam! Tu viens? Mon père, il est génial. Il sait tout faire. Cuisine, bricolage, tout. Et puis, ses sandwichs, c'est les meilleurs. Moi aussi, mon père, il sait tout faire. Mais tu sais, la vie est très dure sur son île. Alors, il fait tout seul. Tu veux bien? J'ai plus faim. Ouais, c'est bien. Tu pars où pour les vacances? Je pars pas. Ma mère a trop de travail à l'hôpital. On part jamais. Moi, là, je pars chez mes grands-parents à Prague. Et puis, pendant les grandes vacances aussi, je pars en Arménie. C'est trop bien. Tu veux une surprise? Ferme les yeux et pense très fort à quelque chose. Tu manges quoi le midi? Je sais pas. Comment ça, tu sais pas? Ça fait 2 jours que ce que je prépare reste dans le frigo. J'ai mangé un sandwich au poulet avec une sauce spéciale. Un sandwich? Tu l'as payé comment? T'avais de l'argent? C'est le papa de Pauline qui me l'offre. Attends, Lio, c'est le nouveau type près de la bibliothèque, c'est ça? Tu manges ce que je prépare, c'est compris? Pas les cochonneries qu'on te sert. C'est dégueu ce que tu prépares. Excuse-moi, Léo.
L'île Sandwich a été découverte par le navigateur britannique James Cook en janvier 1775. C'est un archipel composé de 11 petites îles rocheuses, s'étirant sur 390 km du nord jusqu'au sud. L'île Sandwich est située au sud de l'océan Austral, entre l'Amérique du Sud et l'Antarctique. Voilà, donc c'est là l'île Sandwich. Faut des lunettes pour voir ton truc. Non, même pas, il lui faut une longue vue. Tu veux dire qu'un de tes parents est là-bas? Mon père, oui. Son père est né sur une île? Mais il y a des cocotiers sur ton île? Non, il fait trop froid. Une île sans cocotier, c'est un truc de ouf! Mais à quoi alors? Des manchots. Oh. Non mais quoi encore? Des ours polaires! Il y a combien d'habitants sur ces îles Sandwich? C'est inhabité. C'est difficile, c'est une habite là-bas, il y a des manchots! Gros mission, bah des manchots dans l'océan! Mais Nel, tu sais ce que tu racontes quand même? Oh le bisou! Habité avec des manchots. Ton père est un manchot. Anatole, à ta place. Apolline, non mais ça va pas. Regardez. Oh, mais qui voilà? Ah, mais c'est notre ami le petit bâtard. On va lui régler son compte. Merde, merci, Lio, d'avoir accompagné Apolline. On y va? Alors, ça s'est bien passé à l'école aujourd'hui? Ouais. Tes devoirs prévus? Non. Tu sais, mon père, il peut t'aider à trouver l'île Sandwich, hein. C'est vrai? Pourquoi pas? Si tu veux vraiment, je t'explique comment y aller. Mais attention, c'est pas tout prêt. Je vais à l'île Sandwich. Surtout, ne t'inquiète pas. J'ai bien préparé mon voyage. Je t'aime très fort, maman chérie. Lio. Tu veux vraiment y aller? Oui. C'est loin. Je sais. C'est dangereux. Je sais. T'as pris tes mouchoirs? Tes mèches. Tu veux une surprise? Oui. Ferme les yeux et pense très fort à quelque chose. I can see you're thinking, baby, I've been thinking too. About the way we used to be and how to start anew. Maybe I'm a hopeless dreamer, maybe I've got it wrong. But I'm going where the grass is green if you'd like to come along. Back when I was starting out, I always wanted more. But every time I got it, I still felt just like before. Fortune is a fickle friend, I'm tired of chasing fame. And when I look into your eyes, I know you feel the same. All these years of living large are starting to sin. I won't say it wasn't fun, but now it has to end.
Pistaxis. Enfin, je veux dire, c'est né du nez. Vous savez, y a pas de cocotier sur l'île Sandwich. Hein. Y a pas de plage non plus. Hein. Ah bon, et y a quoi alors? Des manchots. La marée monte. Bientôt, on sera sur une île. Coupée du monde. Tu veux un sandwich? Ma spécialité, c'est poulet crudité et ma sauce spéciale. Tu veux? Tu sais le dîner aussi. Je veux bien un sandwich, poulet crudité et sauce spéciale. Ok, je m'occupe de ça. J'ai beaucoup d'eau. Je suis très bon. Pour les sandwichs comme ça, c'est ma spécialité. Ça va? Tout va bien, t'inquiète pas. J'ai eu tellement peur. Ça va, je vais bien. Maman. Excuse-moi. Maman, chérie. Je suis Thank you.